D'abord, je voudrais vous remercier tous de votre disponibilité qui vous a permis de répondre favorablement à l'invitation conjointe que nous vous avons lancée. Moi, M. Alfonsi, représentant le président Bozel, le président du Conseil régional et moi-même, afin de faire un point sur le dispositif des emplois d'avenir dans le département, vous le présenter, vous le représenter, et surtout, et c'est ce qui est le plus important, vous présenter le dispositif qui est retenu par l'Assemblée régionale et le président du Conseil régional concernant les accompagnements en matière de formation. Je vais y revenir si vous le voulez bien. Cette rencontre, c'est aussi pour moi l'occasion devant vous de tirer les premiers enseignements sur la mise en œuvre des emplois d'avenir pour ce département. Et je voudrais rappeler que dès mon arrivée le 19 novembre dernier, j'ai immédiatement sensibilisé les employeurs potentiels à ce dispositif et j'ai parrainé la première signature des emplois d'avenir, d'une part sur Toulon et d'autre part le 22 novembre à La Seille, en signant les premiers contrats d'emploi d'avenir de ce département. Et je dois dire que depuis lors, tout le monde s'est fortement mobilisé sur ce sujet. Le corps préfectoral, parce que je lui avais demandé, et que c'est par nature, qu'il s'est engagé dans ce débat, les services de l'État, la DIRECT, Pôle emploi, et je voudrais accorder une mention particulière aux missions locales. Aux missions locales qui se sont très fortement mobilisées et qui sont à l'origine des résultats satisfaisants que nous enregistrons à ce jour. Et puis aussi, Cap emploi, le Conseil général aussi, qui s'est mobilisé à nos côtés. Et puis enfin, tout le réseau associatif, puisque pour une large part des emplois d'avenir qui ont été recrutés à ce département le sont par le réseau associatif, sachant que petit à petit, les différentes collectivités locales se mobilisent sur le sujet et de nouvelles ouvertures se font, j'y reviendrai, en direction du secteur privé. Je tiens à publiquement féliciter aujourd'hui l'ensemble des prescripteurs pour le travail qui a été accompli depuis plusieurs mois. Y aurait-il une hésitation à avoir lorsque nous avons 9600 jeunes dans ce département qui sont demandeurs d'emploi et que notre objectif global de réalisation de plus d'un millier d'emplois d'avenir paraît bien modeste au regard de l'ampleur du chômage des jeunes. Donc tout le monde s'est mobilisé. Pour ma part, j'ai personnellement présidé 25 réunions sur ce sujet depuis mon arrivée, avec les élus, les chambres consulaires, les syndicats des zones artisanales et industrielles, les branches professionnelles. J'y ai évoqué bien évidemment l'emploi des jeunes, mais j'ai évoqué aussi le pacte de compétitivité. Et aujourd'hui, je dois dire que nous avons un premier résultat qui est satisfaisant. 46% de l'objectif qui nous était assigné à cette époque de l'année est assuré et à mi-année, disons clairement, nous aurons réalisé à la fin de ce mois la moitié de l'objectif qui nous est réalisé. Donc nous sommes dans les bons. Et c'est 527 contrats qui ont été signés à ce jour. Mais excusez-moi de le dire, c'est un résultat extrêmement satisfaisant, mais ce n'est pas un résultat suffisant. Certes, 527 jeunes bénéficient actuellement du dispositif emploi d'avenir et c'était une grande satisfaction d'avoir pu ouvrir à ces jeunes une nouvelle perspective, une perspective de vie tout simplement, et d'entrer dans l'aide. Et vous comprendrez qu'il faut encore se mobiliser, il faut se mobiliser dans deux directions. D'abord, arriver encore à se mobiliser pour réaliser le nombre qui nous est assigné de réalisation de contrats d'avenir, d'emploi d'avenir, et pourquoi pas le dépasser. Soyons ambitieux, les 9600 jeunes qui reviennent, qui sont actuellement au chômage, n'attendent que ça. Et puis, au-delà du quantitatif, j'évoquerai le qualitatif, car ça serait réduire un peu de choses ce dispositif que de considérer qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau à d'autres dispositifs plus anciens dont la vocation est exclusivement quantitative.
Ce n'est pas un dispositif qui permet de diminuer les chiffres du chômage. C'est un dispositif dont les ambitions sont bien de créer et de générer un parcours d'accès à l'emploi durable pour les jeunes qui sont aujourd'hui exclus du marché du travail. Et je vous en rappelle brièvement les spécificités. Ces contrats permettent d'embaucher des jeunes de 16 à 25 ans éloignés de l'emploi, sans diplôme ou du niveau CAP-BEP, à l'exclusion des zones urbaines sensibles pour lesquelles ces dispositions sont pas applicables, puisqu'on peut y recruter des jeunes diplômés. Et on peut le faire pour un contrat renouvelable trois fois, c'est-à-dire pour trois ans. La prise en charge financière de l'État s'élève à 75% du SMIC brut. Pour le secteur associatif et les collectivités, 35% pour les entreprises. Je voudrais attirer votre attention sur quelques éléments qui, je crois, caractérisent bien la volonté du gouvernement dans ce domaine. Avec les emplois d'avenir, l'État s'engage sur trois points. Ça permet de construire un véritable parcours d'accès à une profession. Ça permet d'abord, première chose essentielle, c'est de socialiser à l'emploi des jeunes qui n'y ont jamais eu accès. Ça permet aussi de créer un parcours de formation qui, progressivement, amène le jeune à un choix professionnel et à une évolution professionnelle durable. Il ne s'agit pas de générer des voies de garage, il s'agit de générer un véritable accès à l'emploi. Il y a, dans les emplois d'avenir, une exigence éthique qui est celle d'être les véritables tuteurs et porteurs de l'accès à l'emploi de toute une série de jeunes et de leur proposer une vraie espérance et non pas une fausse entrée dans la vérité. C'est ce qui explique que ce contrat soit particulièrement accompagné. Chaque mission locale propose à ces jeunes un référent pour suivre son évolution. L'employeur désigne un tuteur pour accueillir le jeune et pour qu'il progresse dans sa pratique professionnelle. L'employeur du jeune joue le rôle d'un incubateur pour le jeune et lui permet de choisir un véritable métier. Autre point important, ce contrat a une durée de 35 heures payées au SMIC. Excusez-moi de le dire, ce n'est pas un sous-contrat de travail. C'est en effet le seul contrat aidé qui propose à nos jeunes un véritable pouvoir d'achat et une possibilité d'accéder à un emploi rémunéré, à part entière et au SMIC. C'est donc un véritable contrat de travail. Et enfin, je soulignerai que c'est aussi une possibilité d'être employé dans des secteurs qui ont des débouchés, et des débouchés professionnels. Ce département connaît plusieurs secteurs qui, actuellement, sont en tension. Ça paraît paradoxal, mais nous avons un taux de chômage de 11,1% dans ce département. Et de l'autre côté, nous avons une offre d'emploi qui n'est pas satisfaite. Et dans plusieurs secteurs, singulièrement, et c'est pas pour le premier département touristique de France, en excusant de la région parisienne, c'est pas le moindre paradoxe, c'est précisément dans le tourisme que les tensions sont les plus importantes. Donc forcément, il y a par la possibilité d'ouvrir à côté des emplois d'avenir dans le secteur non marchand, par la possibilité de recueillir des jeunes dans le secteur marchand, il y a la possibilité aussi de répondre à des besoins de secteurs en tension et de le faire dans des conditions extrêmement satisfaisantes pour les entreprises, puisque la prise en charge par l'État est de 35% du salaire versé, ce qui fait que pour un employeur, pour un salaire au SMIC de 35 heures hebdomadaires, l'employeur va avoir un coût restant de 1122 euros pour un coût total de plus de 2000 euros. Donc il y a une possibilité là aussi nouvelle qui est offerte et ce sera presque notre nouvelle frontière, si vous voulez bien, pour ce second semestre, de manière à ce que nous offrions une évolution vers l'emploi. Mais toute cette activité de socialisation à l'emploi et d'accueil dans l'emploi ne peut prendre toute sa réalité et toute sa force que si un dispositif de formation performant accompagne la démarche. Ce dispositif de formation va vous être présenté ce matin.
Il a été préparé par le conseil régional. Il arrive au moment où ces contrats, justement, sont maintenant sur un régime d'activité qui permet, au-delà des premiers mois, d'orienter les jeunes vers des formations et de leur faire acquérir un dispositif de formation qui, je insiste, doit déboucher sur des formations qui sont des formations qualifiantes à terme et de véritables accès à l'emploi, c'est-à-dire qu'au terme des 3 ans, et comme je l'ai dit lors de la signature des premiers emplois d'avenir à la SAIL, c'est le deal pour nous, c'est de nous retrouver dans 3 ans pour signer des contrats d'embauche des jeunes dans le secteur marchand ou non marchand. Car ce jour-là, nous aurons accompli définitivement notre œuvre et nous le ferons ensemble parce que nous sommes déterminés et solidaires. Et cette solidarité est réunie particulièrement ce matin, ici devant vous, l'État et le Conseil régional, en complémentarité de 2 dispositifs, l'un qui consiste pour nous à favoriser la recherche de l'emploi des employeurs pour les emplois d'avenir, l'autre qui consiste à accompagner la formation de ces jeunes pour que l'objectif final qui est assigné à cette mesure, qui est une mesure emblématique que le président de la République rappelait encore à l'ouverture de la conférence sociale hier que c'était une des mesures phares de l'action du gouvernement. Ces emplois d'avenir, c'est l'avenir de la France que nous fabriquons. Cet avenir de la France, nous en sommes tous responsables. Nous serons redevables vis-à-vis de ces jeunes de l'avenir que peut leur donner ce pays. Soyons à la hauteur de ce défi. Vous l'avez été jusqu'à ce jour. Continuons à l'être pour l'avenir. Merci de votre attention.